Ouais, on sera collé. IFS réunis pour la vidéo du siècle. Grande annonce aujourd'hui. Comme c'est mis dans le titre, évidemment, le premier pop-up store physique. Incroyable. La communauté a réclamé. On donne IFS, ce que veut le peuple. IFS donne, hein, avec le troisième comparse derrière. Bonjour Florent. Bonjour Florent. Donc qui dit pop-up store dit préparatif. Beaucoup de préparatifs. C'est pas habituel pour nous parce qu'on est censé être une boutique en ligne uniquement. Donc ça veut dire que si on s'engage dans un truc physique, il faut acheter tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les étiquettes pour mettre sur les maillots. Parce que pour le moment, comment ça se passe? Au hasard, Amsterdam. On a une petite étiquette ici qu'on appelle l'UGS. C'est un code en fait qui nous permet de se retrouver dans le stock. En fait, chaque étiquette est unique et propre au maillot, c'est ça. Mais nous, vu qu'on va avoir un pop-up store et que les gens vont pouvoir fouiller dans le maillot, eux, ça va rien leur dire du tout. Voilà, il faut une étiquette, oui. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Et ben, c'est comme un magasin physique, hein. Ouais, donc, c'est hyper différent de ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Même, je veux dire, le contact avec les gens. Ouais. Nous, on est ici, on est un peu dans notre bureau, on fait les zozos sur TikTok. Là, on va voir les gens, mais c'est ce qu'ils veulent aussi. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on veut. Ouais, on veut voir des gens, leur réaction par rapport à des maillots qu'ils voient pour la première fois, des maillots vintage. Ça va être cool à voir, ça. Bah ouais. Je me rappelle la première fois que je suis rentré chez Classic Football Shirt, j'étais pas le seul à avoir les yeux comme un gamin. Ouais. En fait, se rendre compte que tous ces maillots-là sont encore trouvables de nos jours, grâce à des sociétés comme nous. Et surtout authentiques. Beaucoup de préparatifs, comme tu as dit, étiquette. Il y aura roll-up. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de pancarte de... Ouais, la fameuse Rollmops. C'est une sorte de pancarte de 2 mètres, un peu publicitaire, qui explique en gros ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est important, c'est toutes les choses à organiser avant l'événement. Parce qu'il faut commander, il faut les créer sur internet, il faut les commander, il y a un délai de livraison, il faut nous les récupérer, voir si ça nous convient. Si ça ne convient pas, on renvoie, on recommande. Donc il y a ça, il y a les sachets aussi dans lesquels on va mettre les maillots, parce que pour le moment avec internet, on envoie dans un packaging propre à la boutique en ligne. Mais en physique, c'est différent, donc il faut les sachets. Sachets, ouais, c'est ça, craft noir. Ouais, c'est ça, de préférence. Flyers, toujours. Flyers, c'est la même que les envois. Ouais, en les cartes de visite seront disponibles. Étiquettes, Rollmops. J'ai envie de dire les maillots, mais ça, c'est logique. Les maillots, ouais, on va voir ce qu'on a comme place là-bas sur place, voir si on sait embarquer tous nos maillots avec. Mais à mon avis, ça va être compliqué, on va devoir faire une sélection. Ouais, une bonne partie déjà. On va essayer de prendre nos plus beaux maillots avec, les plus iconiques. Bah, les gens pourront commander de toute façon en ligne. C'est ça, ouais, c'est ça, sur internet. Le but, c'est quand même de mettre en avant le site, ouais, d'abord, le shop, ouais. Les réseaux sociaux, et qui voient ça un peu, tout ce qu'on fait dans notre univers, bah, physiquement, quoi, simplement. Ouais, parce que ça va être nouveau pour beaucoup de personnes, je pense. Oui, je crois qu'ils vont prendre une claque. Le phénomène de la seconde main est fort répandu, mais comme j'aime bien le répéter, le pic il arrivera seulement dans 5 ans. Ouais. Donc c'est encore nouveau pour les gens, et surtout le maillot vintage, en fait, il y a plein de gens qui savent pas que c'est possible de retrouver tous ces maillots-là. Bien sûr. Donc ça va être cool de voir la réaction des gens. Ça va être du taf. Mm-hmm. Mais ça va être cool, ouais. De toute façon, là on est déjà un peu dedans, donc on voit bien que c'est pas de tout repos. Là on est fin mai, mais il nous reste un mois avant le 20 juin pour que tout soit fait. On a commandé la plupart des choses déjà sur internet. Ouais, ouais. Pour recevoir ça dans les il faut faire le design, il faut commander, il faut des délais. Et puis après, comme tu l'as dit, c'est la semaine du 19. C'est ça, 19 juin. C'est un lundi, c'est fermé parce que le pop-up store avec lequel on s'est engagé, c'est un pop-up store qui donne. Je déteste ce mot. Qui donne sur la rue principale d'Esch-sur-Alzette, une rue assez fréquentée apparemment. Bah, c'est fermé le lundi, c'est ouvert le mardi, mercredi. C'est jeudi, c'est la fête nationale ou c'est le vendredi? C'est le vendredi. Vendredi, donc c'est fermé le vendredi. Samedi ouvert, dimanche fermé. Et alors, du coup, une semaine après, deux semaines après, on sera au festival du foot à Dudelange. Mmh. Alors là, c'est... Bah, c'est la première édition en fait. Ouais, mais ça va être encore un autre niveau parce qu'il y aura des tournois de five. Il y aura de quoi bouffer, donc à mon avis, on va s'en mettre plein la panse. De quoi boire aussi. De quoi boire, oh putain. Il y aura des journalistes qui vont parler du foot, etc. Apparemment, c'est la première édition. Psychologue du sport aussi, ouais, c'est ça, commentateur sportif. Ouais, c'est ça. D'autres vendeurs comme nous. Ouais. D'autres vendeurs, mais pas. Enfin, qui font les t-shirts Retro Football Gang, là, tu vois. Ouais, donc du 1er juillet au 2. Ouais, c'est ça. C'est le week-end du 1er 2 juillet, samedi, dimanche. Ça aussi ça va être cool parce qu'en plus c'est un événement axé que sur le foot, donc on est en plein dedans, plein dans le thème. On vient représenter Luxembourg dans le textile vintage, maillot de foot vintage. Un petit peu la Belgique aussi. Un petit peu la Belgique de cœur. Donc là aussi on va venir nos plus belles pièces, ça va être cool aussi. Mais je suis sûr qu'on a oublié un truc. Il y a un autre truc, on va vendre sur place. Non, on va vendre sur place, on va acheter des maillots sur place. Exactement. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité aux gens de nous vendre leur maillot sur place et monsieur ici présent, ou peut-être nous,
on verra, expertisons les maillots sur place. Donc, authentique. Donc venez pas avec vos faux maillots du marché, les gars. On le verra d'un coup, c'est mort. Mais on va racheter, on va racheter des maillots sur place. Donc si les gens veulent venir acheter nos maillots, ils sont les bienvenus. S'ils veulent vendre leurs maillots, ils sont les bienvenus aussi. Et ils seront les bienvenus aussi s'ils veulent vendre leurs maillots dans l'optique d'acheter un maillot aussi. Bien sûr. Ça marche aussi. Bien sûr. Donc ça va être cool. Ça va être terrible. Ça va être nouveau pour nous, mais on est confiant, on sait comment gérer le truc. C'est pour ça, les gars, suivez bien nos aventures parce qu'il y aura des péripéties. À mon avis, ça va être. Vous connaissez, hein, de toute façon, ça va être dingue. On se prend pas la tête, on va faire ça comme on le pense, comme nous on kiffe déjà. Si nous on prend du plaisir, c'est le principal. Ouais. Après, si ça rapporte un peu des pépettes, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a de bon au menu? Pour les olives. Incroyable! Et toi, qu'est-ce qu'il y a de bon au menu? Unboxing. Unboxing. Unboxing des premiers arrivages pour le quoi? Le Pop-up store. Voilà, incroyable. Alors, ça s'ouvre comment ça? Tu sais ce que c'est ça? Une image, allez, ça doit être dans un cadre. Ça. Bah, c'est pas là dans le cadre en tout cas. Ok, ouais, c'est le papy qui explique qu'on va racheter des maillots sur place. Ah, vous achetez des maillots sur place? Oui, nous achetons des maillots sur place. Incroyable. Aussi sur le site d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mon avis, dans un beau cadre. Ah. Ouh, c'est lourd ça. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est lourd ça. Je peux te manger un bout de table, Florent? Ouais. Merci. N'embête pas les gens qui travaillent. Je déchire, ouais, c'est bon, de toute façon, je peux déchirer. Ouais, on verra pas. On verra pas. Vas-y. Ah, ce sont les sachets, je pense. Ah. Les sachets pour les maillots vendus sur place. Incre. Carton pour l'écologie, hein, toujours important. Ok. Pas mal. Enfin, on dit ça, on voit un faux plastique sur le site. Ben, c'est vrai que non, là, faut qu'on l'emballe différemment vu que c'est pas comme. Vu que c'est physique. J'en retire un pour voir. Ouais, vas-y, tu me montres un peu ça. Ouf, c'est petit à mort. Wow, ben, premier fail en direct. En vrai, ça va pour un maillot. Non, en vrai, pour un maillot, ça va. Ouais, t'as pris. Non, ça va. Bon, les gars, n'achetez pas du Dune au Pop-up Store, s'il vous plaît. Ça va. Non, si, ça passe. Ah, si, bon, évidemment, ce sera bien plié là-bas. Avec le petit flyer. Ce sera fait de cette manière. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, regarde mon pliage express. Non, si, ça va, large. Ça va. Même deux maillots, max. Ça va. Mais non, en vrai, ça va, les sachets. Non, c'est cool. Quoi, valider? Ouais, valider, sauf pour les vestes. Mais évidemment, n'achetez pas de veste, on est en été, j'ai envie de dire. Ouais, bah voilà, ça le reste des commandes. J'hésite à voler ce pull-là de Florent pour le mettre dans la collection, que je le trouve incroyable. Tu sais pourquoi, les motifs? Underground, métro. Bien vu, c'est ça. Et Londres. Londres, parce qu'Arsenal est un club basé à Londres. Parce que chez IFS, on n'achète pas seulement un maillot, on achète aussi une expérience. Ouais. Voilà. On s'offre le top du top. Nous sommes le Nespresso du café. Je tiens à le répéter. Est-ce que c'est une commande de deux maillots? Exact. Ok. Ah donc, ah ok, gourmand, le lien est là. Gourmand. Oui mais c'est ça en fait, Belgique fait la INI. Mm-hmm. Et puis standard, ça se tient en fait. Ah ça se tient. Ça se tient. Bah c'est une belle commande du coup. Incroyable. Frère, c'est frais quand même. Nouvelle journée chez IFS, je suis perdu dans les jours, trop de boulot, je suis complètement... Non, je déconne, il fait super beau en plus. Aujourd'hui, blindé de colis les gars, blindé de colis, on va aller unboxer ça ensemble. Vous allez voir, il y a du lourd, il y a même des choses qui vont... Je pense même qu'il y a des choses qui vont changer l'image d'IFS à jamais, vous allez voir, c'est incroyable. Ok, let's go pour une bonne journée. Toc toc toc. Voilà. Ouh, il y a du lourd là. Regarde, je viens de filmer le stock. Incroyable. C'est ça qu'on veut, Voilà. Bon, on est parti pour une bonne journée. Je crois que j'ai pris deux paires différentes. Ah, moi maintenant je filme dès que je sors de la voiture. C'est Noël les amis, c'est Noël. Incroyable ce qui se passe. Maintenant je filme tout. J'ai filmé quand j'étais aux chiottes, quand j'ai pris ma douche, je te jure. Ouais, tu vois, j'ai pris deux petites paires de couleurs différentes, comme ça on peut... Là, je pense à du Dortmund ou autre chose. Ouais. Ça, tu peux le faire avec plein de choses aussi. Ouais. Donc voilà quoi. J'avais une paire verte aussi, mais verte, c'est un peu plus difficile. Bonjour, bonjour en fait, ouais, c'est vrai ça. Bonjour, ben écoute, là, on va unboxer ça, là. Par quoi est-ce qu'on commence? Ben écoute, là, il y en a. Je veux le Roll Mops. Roll Mops? Vas-y, celui-là. Ah, le... celui-là, tu crois, ici? Ah, vas-y. Ouf, c'est lourd. Ouais, c'est très lourd. Ouais,
une canne à pêche. Je le tire vers vous, je le vois pas, tu me dis exactement ce que t'en penses, et mon avis, il doit être très grand. Ok, oulala. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable. Il est tout déroulé là. Oh ouais, oh, c'est magnifique. Eh bah écoute, je le regarde. Franchement, grosse réussite. Je le regarderai en vidéo. Surprise. Incroyable. Bah écoute, premier unboxing. Ouais, validé de dingue. Validé de dingue. Franchement, même j'aime bien cet effet là un peu, tu vois. Ouais, ça c'est les trucs. C'est rajouté. Hein, la qualité est ouf. Hein. Ouais, franchement là. Incroyable. En tout cas, on passe à la suite, les gars. Ah ouais, aussi, il y avait quelques commandes aujourd'hui, on va vous montrer, il y a du beau, hein. Du Beckham, on a de l'ancien de Manchester, évidemment du Zidane, hein. Zidane, il y en a, ça se vend super bien, du Hazard, du Ronaldo à la Juve, du Neymar, on va vous montrer ça aussi à la fin de la vidéo, hein. tous les colis qu'on va faire, incroyable aussi ça. Nouveau design de Flyers. Ok. Alors on en a déjà, mais tu vas voir les nouveaux, ça, ils sont plus fins, parce que les autres étaient beaucoup trop gros, franchement ils sont incroyables. Donc ça, c'est un échantillon, ok. Ouais, j'ai déjà ouvert ici. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, c'est nos, comment on va dire. Ouais, nos échantillons, un peu. Alors, verdict. Verdict. Ah, mais non, ça va, en vrai, je m'attendais à court plus fin. Non, ça ouais, va. Ouais, non, c'est un flyer vraiment de base. Ouais, c'est propre, hein, c'est bien pro. Ouais, franchement, ça, c'est conseil de lavage. Non, j'ai rien changé. J'ai changé ça. Trustpilot. Voilà, j'ai mis le maillot de Ronaldo. Important, les gars, aidez-nous à avoir des avis positifs sur Trustpilot. Ça nous aide beaucoup pour le référencement et pour les nouveaux clients qui ne nous connaissent pas. C'est toujours cool. C'est vrai, parce qu'on a des centaines de commandes. Et c'est vrai qu'on a quoi, 57 avis sur notre site. Après, je donc, peux ouais, voilà, c'est pas. Les gens ont la flemme souvent d'aller laisser un avis. Mais ouais. Nous-mêmes, hein, quand on commande quelque chose, on ne le fait pas tout le temps. C'est vrai. Mais ça nous aide beaucoup. Donc, Ah, ça me parle. Ah, d'accord. Je croyais que c'était une cuisine carrément. Et non, en fait, c'est deux cadres. Voilà. Oh putain. Oh, voilà l'écologie. Ouais. On parlait d'écologie avant. Ok. Ça ira parfaitement dedans. Alors, qu'avons-nous pour la suite? Kimball, Billy Kimball. Kimball pour les étiquettes. Il y a un petit changement par rapport au fait qu'on ouvre un pop-up store, c'est que les gens vont venir dans le magasin physique, donc il faut qu'ils aient les informations des maillots sur les maillots. Ouais, voilà. Ils n'auront pas accès. Enfin, si, tu as toujours accès au site internet, mais je veux dire, dans le magasin, il faut les étiquettes comme quand tu vas dans un autre magasin. Donc il va falloir attacher des étiquettes sur les manches de maillots. Je pense qu'on va se mettre d'accord dans les coutures pour pas niquer. Ouais, voilà, tu serais pas abîmé en fait si tu, ouais, voilà, si tu mets ici. Là. Donc du coup, on a dû acheter un genre de pistolet pour attacher l'étiquette au bout. Voilà, et on précise bien, c'est des étiquettes d'identification. Donc ça veut dire, nous, ça va nous servir pour identifier les maillots quand il y a une commande, parce que chaque maillot est unique, chaque maillot a un code précis, donc ça, c'est important de le dire. On ne fabrique rien. Les maillots qu'on prend ici, c'est des maillots qu'on achète à des particuliers. Ils nous le vendent via les réseaux sociaux, via notre site, à des collectionneurs, mais nous, on ne produit rien. Voilà, c'est de l'identification pure et dure. Voilà, c'est ça. Ça sert surtout au pop-up store pour le prix des maillots. Voilà. Pour pas que les gens viennent chaque fois nous demander combien ça coûte. Voilà. Ça coûte. Et nous, en logistique un petit peu. Voilà, ici. On a un code aussi qu'on appelle l'UGS chez nous qui nous sert à identifier le maillot dans notre stock. Et alors, bah, la taille, le nom du maillot, l'année du maillot et le prix du coup. On va voir à quoi ça ressemble. Si ça vient fait comme on le voulait, c'est ça. Ça, c'est le pistolet. Ok, c'est le pistolet qui va servir à attacher les étiquettes du coup sur les maillots. Ah, ben attends. Oh oui, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, il y en a encore avec. Pour pouvoir te faire des piercings, c'est de fou malade. T'as, ouais, donc les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, est-ce que vous préférez l'arcade, le nez ou le téton. C'est comme vous voulez. Bah écoute, ouais, c'est pas mal, hein. Je vais pas déballer, mais il y a des aiguilles et tout. Bon, on va prendre la main. Hein. Attention, ça n'abîme en rien les maillots. Suivant, on enchaîne là, parce qu'il y a du taf, les gars. Il y a du taf, c'est Noël. Bon, ça c'est pas très excitant, mais on vous le présente quand même. Deux porte-cadres magnifiques. D'ailleurs, on va vous montrer les deux cadres finis. Oui. Hein. À quoi servent-ils? Simplement, montrer le genre de paiement qu'on accepte en ligne. Voilà, très peu d'espèces, si possible pas d'espèces. Ouais. Donc voilà, PayPal. En fait, tous les paiements. On accepte tous les paiements en ligne. Et on rachète les maillots comme on vous l'avait expliqué. Donc ici, petite pancarte, il y aura un petit coin rachat. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Ouais, merci l'équipe. Ah, bonjour.
Bonjour, alors l'équipe, on est bientôt à 100 abonnés sur YouTube, ce qui est incroyable déjà pour un début. Alors on a déniché quelque chose que tout le monde nous a demandé, tout le monde les attend. Ouf. C'est les super bracelets de l'équipe stéphanoise de l'AS Saint-Etienne. Ah, ils sont modernes en plus. Magnifique. Hein. Si vous voulez avoir l'air d'un bad boy dans le sud de la France cet été, wow, il faut vous abonner à tous nos réseaux. On mettra ces fabuleux bracelets en jeu dans très peu de temps. On sait que vous kiffez, on sait que c'est le style que vous aimez. Et voilà, rien plus à dire. Merci à tous. Bande de vénard. Et donc du coup, revenons à nos moutons. Voici ceci, qui est un super colis. Okay, c'est bien emballé. Après, c'est ce que j'ai vu sur internet, c'est la société qui sortait le plus pour les paiements par carte. Ok, simple, efficace. Ouais, c'est tout petit en fait. Hein. Donc tu peux faire le sans contact, insérer la carte ici. Ici pour l'allumer, le recharger. Donc ça vient ici avec sa station de recharge. En fait, ça vient de s'emboîter là-dedans. Pour une présentation un peu plus élégante, on va dire ça comme ça. Bah, franchement, il est beau. Ah, pas mal, il y a quoi là-dedans ? Ils ont pensé à tout. Nous, on avait notre petit cadre parce que la touche IFS, hein, ça c'est super important. Mais bon, quand c'est fait par IFS, c'est encore mieux. Et le petit sticker pour la voiture, sympa. Hein. Ouais, main sur le volant avec le bracelet incroyable de Stéphanois. Le sticker se collait sur le pare-brise arrière. Et là, tu auras l'air d'un vrai bad boy. Jackie Tuning. Incroyable. En tout cas, ça aura foutu un beau bordel. Hein. Bordel de cul. Bon, en tout cas, on passe à la suite. À votre santé, les gars. Et voilà. Simple, efficace. Et vous allez voir, il y a un petit design IFS aussi qu'on a fait sur les étiquettes. Bah, le souci du détail, hein, vous connaissez maintenant. On va montrer à la fin la finalité de tout ça, parce que c'est peut-être pas évident à comprendre des étiquettes. C'est super compliqué, parce que même nous, on a eu du mal à comprendre. Mais vous allez voir, on va faire un petit test. Vous allez voir où on va en venir et le résultat, il est incre. Voilà, du jamais vu. Voilà. Le meilleur pour la fin. Celui-là, on l'attendait. Hein. Oh là 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 là. Alors ça, on compte beaucoup dessus. 2000. Ok. On va voir ça ensemble. Hein. Ok. Ok. Les étiquettes. Alors ici, c'est là où on va coller l'étiquette avec l'imprimante qu'on va imprimer. Donc la fameuse étiquette. Ouais. Celle que vous avez acheté là. La fameuse étiquette qui comprendra le code du maillot, le prix, le titre du maillot, ainsi que la taille, très important, et la note, super important aussi. Et voici, donc en fait, il y aura ça sur tous les maillots. Ça, ouais, c'est incroyable. C'est propre. Avec le petit trou ici, pour enfoncer. ils sont pas prêts à découper, mais il suffit d'appuyer à mon avis. Ça part. Non, en fait, c'est avec le pistolet, tu dois le mettre dedans. Ah, bien vu. Bien c'est comme vu, ça, tu sais fait exprès. Comme un piercing, en fait. Donc les gars, dites-nous ce que vous pensez du petit design. Donc, ça sera partout, hein. Ça sera pendra partout. Ouais, voilà, comme on adore faire les trucs hyper précisément chez IFS, ben, vous voyez encore ici que on laisse rien. Pas de détails au hasard. Que ce soit là, que ce soit sur l'étiquette, que ce soit sur les cadres. Que ce soit sur les flyers. Franchement, on a pas blagué. Voilà, IFS, c'est ça aussi qu'on paye, c'est l'expérience IFS. C'est un tout, c'est pas comme la concu. Voilà, on nous demande pourquoi. Les prix sont peut-être 10 euros plus cher que la concu. Simplement, il y a une expérience. Vous ouvrez votre colis, vous avez la bouche comme ça, comme les cartoons. Vous pouvez aller très bien prendre un café dans un hypermarché, on va pas citer de nom, qui peut être très bon, c'est pas ça. Super si bon. Si vous rentrez chez Nespresso, le café sera différent. Exactement. Et nous, on est le Nespresso du café. Voilà. Et dans l'univers du maillot, voilà. Comme tu aimes le dire. Exactement. Nous sommes le Apple de la technologie. Et en tout cas, pas encore, mais c'est ce qu'on prétend être. Voilà, c'est ça. Suivez nos aventures. Exactement. Suivez nos aventures. J'aime entendre dire ça. Oh. J'aime ça. Oh, je me chauffe tout seul. Pas compliqué, on va insérer la petite pipette dans le petit orifice, comme papa dans maman. Voilà, c'est simplement dit, mais c'est comme ça. En tout cas, t'en penses quoi réellement? Recto verso. C'est très propre. Les réseaux sociaux, encore une fois, en dessous, le site internet. Et ici, bon, on va mettre toutes les infos du maillot. Mais tu vois, quand tu fais les choses toi-même, avec passion, c'est ça que tu payes aussi, la passion. On fait les choses avec passion, avec plaisir, et ça se ressent. Transmettre cette passion à travers les maillots pour que vous le ressentiez et que vous kiffiez. En tout cas, merci pour vos achats et on passe à la suite. Voilà. Simplement. Donc voilà, petite conclusion, on espère que la vidéo vous aura plu, beaucoup d'unboxing. Comme vous avez pu voir, Pop-Up Store, c'est vraiment une sale organisation. Donc on espère vous voir nombreux là-bas, on espère que ça vaudra le coup. Surtout n'oubliez pas les dates, la semaine du 19 juin à Esch-sur-Alzette et le premier week-end
2 juillet. C'est ça, Festival du football à Dudelange. Le premier du nom au Luxembourg, on sera présent avec d'autres exposants. Et il y aura de la bière, du football, il y a un tournoi de 55, quelques journalistes pour parler de football. Sale. Ça va être vraiment un... Je pense à un bel événement, le premier en plus, et nous on sera présents avec tous nos maillots. Enfin, on va voir la place qu'on a, mais il y a moyen de faire un truc vraiment très bien. Donc du coup les gars, n'hésitez pas si vous avez apprécié la vidéo. Petit like, petit commentaire, abonnez-vous. Voilà, on espère cartonner sur YouTube autant qu'on cartonne sur TikTok, ça nous ferait plaisir. Et on vous dit à la prochaine les gars. Ciao.